Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau déballage pour Noël. Hein, forcément, la période est propice aux colis. Alors, tout n'est pas pour moi, il y en a pour des amis qui m'ont demandé de commander pour eux. Il y en a pour des collègues aussi, vu qu'on se fait un repas de Noël dans notre service et on s'est tous dit, on va tous s'offrir un cadeau de maximum 10 euros. Donc j'ai commandé aussi là-bas. On va voir si ça va lui plaire. Il va pas savoir que c'est moi qui lui ai acheté, mais bon, en tout cas, j'espère que ça va lui plaire. Allez, on ouvre tout ça. Voilà, alors pour une fois, hop, encore toujours les petites cartes de Noël. Alors cette fois-ci j'en ai eu deux, bon, toujours les deux mêmes, mais bon, je vais pouvoir en offrir. Alors ça c'est vide, là-dedans. Alors forcément, moi, il faut que j'offre un cadeau à mon chef. Je suis tombé sur lui. Et comme c'est quelqu'un qui est bien stressé, je vais acheter un petit puzzle. J'ai pris juste le plus compliqué que j'ai trouvé. Donc 5 étoiles sur 5 étoiles. Un petit casse-tête où il va devoir tout enlever et essayer de tout remettre. Et ça, ça n'a pas l'air costaud. Enfin, ça a l'air costaud à faire. Donc voilà, il faut juste le niveau génie. Donc on verra bien. Alors, après. Hop. Alors ça, je l'avais déjà fait en vidéo. J'ai fait tester à des amis et ils ont, au bout de deux parties, ils voulaient se l'acheter pour jouer avec leurs enfants. Donc revoilà, donc cela, je ne le présenterai pas vu qu'il est déjà en vidéo. Voilà, donc un petit cadeau de Noël pour ma maman, un petit smart game vu qu'elle est bien, fan, elle aime bien se prendre la tête, et j'ai trouvé celui-là, le principe, assez sympa, où en fait il faut retrouver la forme qui est dans le livret, et il faut qu'elle apparaisse au niveau de la fenêtre. Quand on referme, on doit voir juste l'image qui est donnée. Donc ça a l'air un peu de changer par rapport aux autres. Et voilà, jusque expert, ça peut être bien sympa. Alors ça après c'est pour une amie du boulot qui voulait aussi se l'acheter. Alors ça je connais pas trop énormément, Mr. Jack Pocket. Donc ça je lui demanderai si je préfère la présentation. Alors, Okiwa, alors c'est pareil, ça je connais pas du tout, très japonais, avec des oiseaux, des arbres, un petit jeu de cartes avec les maisons des geishas pour séduire l'empereur. Donc à voir, pareil, un petit cadeau pour un collègue dû à notre Noël de service. Mais bon, quand même, sur cette commande, j'ai pas pu résister à me prendre
King Domino. Alors ça, c'est pour moi. On connaît Bruno Catala, je n'avais même pas fait attention. Qui est quand même un jeu As d'Or de Cannes 2017. Donc qui a l'air assez sympa, il y a des très bonnes notes. Ils font au beau jeu, en taille réelle, etc. Donc on va découvrir ça, parce que vraiment, je ne connais pas du tout. Ben voilà, donc un deuxième Colline Noël, un peu chargé, plus pour les collègues et pour la famille que pour moi. Mais toujours agréable à ouvrir. Ben voilà, sur ce, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!